Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. Bon, vous êtes au courant de tout ce qui est en train de se passer au Paris Saint-Germain. Cette semaine absolument noire! Défaite à Marseille. 3 balles dans nos têtes. On est resté dans le sud. On est allé ensuite à Monaco. On s'est fait laminer, fessé, foudroyé. Ensuite, en Ligue des Champions, dans cette Ligue des Champions qu'on rêve de gagner, on a reçu le Bayern de Munich. Pourquoi? Encore une fois se faire laminer, fessé et foudroyer. Après ces 3 défaites, on a notre numéro 10, Neymar, l'homme qui nous fait rêver, celui qui fait danser la défense adverse, celui qui fait trembler les défenseurs, a voulu aller se détendre en allant manger un McDo et jouer au poker. Et là, t'as tous les supporters qui tombent sur Neymar en disant qu'il n'a pas le droit de jouer au poker et de manger au McDo. Il n'a pas le droit de se détendre. Vous vous rendez compte? Neymar ne peut pas se détendre. On est où? On est où? En dictature? Hein? Je savais pas. Ah, j'étais pas au courant. Donc les supporters décident de ce que les joueurs ont droit de faire et de ne pas faire. Vous vous rendez compte? Je pensais qu'on était en démocratie, tranquillement. Mais Neymar a des comptes à rendre à des supporters. C'est du grand n'importe quoi. Où on va? Ressaisissez-vous, hein. Ressaisissez-vous, hein. Parce que là, ça commence à bien faire. J'ai l'impression que le Paris Saint-Germain appartient aux supporters. Vous avez oublié? Moi, là, Marseille m'a ouvert les yeux. Et le club du Paris Saint-Germain est un club qui cherche à faire du profit. N'oubliez pas cela. Vous n'êtes pas des actionnaires du Paris Saint-Germain. Je t'apprends quelque chose. T'étais pas au courant? Moi, je te le dis. Quand t'achètes un maillot du Paris Saint-Germain, tu ne gagnes pas d'argent derrière. Il n'y a pas de retour sur investissement. Quand tu prends une place à 8 000 euros pour aller regarder le Paris Saint-Germain, il n'y a jamais de retour sur investissement. Donc, ressaisis-toi. Qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi dans ta vie? Réponds-moi! Il a payé ton loyer? Il a rempli ton frigo? Hein? Hein? À part vider ton frigo, qu'est-ce qu'a fait le Paris Saint-Germain? Réponds-moi! Eh bien là, il n'y a plus personne! Il n'y a plus personne! Voilà! Et tu vas me dire que dans ton entourage, il n'y a pas de petit Fofana, ou de petit Mamadou, ou un petit Olivier Aurélien, ou Abderrahmane Mohamed, qui a besoin de ton soutien, qui joue le samedi et dimanche. Hein? Tu vas le voir gratuitement. Tu cries son nom. Allez, Abderrahmane, allez, Aurélien! Allez, va au bout! Mais non! Toi, c'est Neymar qui t'intéresse. Tu t'intéresses à Neymar. Donc là, on en vient à fliquer les joueurs en dehors du terrain. Alors que déjà sur le terrain, t'as vu toutes les caméras qu'il y a? C'est du grand n'importe quoi. Ils en viennent jusqu'à parler en se cachant la bouche pour dire des trucs tout futiles. Des trucs du genre, ouais, écoute, regarde là, moi j'ai des petits boutons, ça me fait mal en ce moment, ça me gratte. Et ils se cachent la main, ils se cachent la bouche pour ça. Tu te rends compte de la dinguerie? Hein? On va où? Toi, tu te rends compte si tu étais filmé comme ça? T'accepterais? Hein? Dans ton taf? Quand tu envoies tes mails avec plein de fautes d'orthographe, tout le monde serait au courant. Il y aurait des commentateurs. Regardez cette faute d'orthographe. Oh là là, il l'a envoyé. Oh là là, tu serais sur Twitter, tout le monde verrait. On dirait, non, mais lui, il sait même pas écrire. Il sait pas envoyer les mails. Ou bien même quand tu balais là, on dirait, regardez là, cette position. Mais c'est du grand n'importe quoi. Il ne fait pas corps avec le balai. Hein. C'est ce qu'on voit là. Franchement, et en plus, il y a encore de la poussière partout. Ou même si t'es préparateur de commandes. Oh là là, mais c'est pas la bonne adresse. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'a quand même envoyé. Mais il est vraiment nul à chier. Qu'est-ce qu'il fait ce gars? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a été embauché? Et en plus, qu'est-ce qu'il va faire après son travail? Regardez, regardez. Oh, il va au bois. Oh là 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 là. Mais c'est cette vie que vous voulez? On va être fliqué de partout. La surveillance, c'est ça que vous voulez? Et vous allez me dire quoi? Vous allez me dire quoi? Qu'est-ce que t'as à dire? Tu veux dire quoi?